Quelques heures après son arrivée, le Premier ministre a reçu les membres des comités de sécurité du Nord Kivu et de l'Ituri, conduits par leur gouverneur. Des discussions ont porté sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans ces deux provinces sous état de siège. Il faut dire que d'abord que nous sommes en opération et que donc le plan, moi je suis sur le plan opératif. Et j'ai comme chef le plan stratégique, au niveau stratégique, il y a le chef d'état-major général, il y a le gouvernement, ainsi de suite. Et que donc aujourd'hui, je suis venu rendre compte, parce que je suis redevable, et je dois rendre compte à ma hiérarchie, et donc nous avons fait une évaluation avec le Premier ministre. Mais vous savez que le Premier ministre a toujours été très attentif à nos problèmes. Chez nous, en Ituri, si je dois parler de la population, vous savez qu'avec les opérations, après toutes ces opérations que nous avons menées, nous avons eu beaucoup de retournées. Et que donc, il faille prendre en charge ces retournées-là. Je suis sûr que vous êtes au courant que la dernière fois, nous avons été, la dernière zone, c'était Tchabi, c'était Boga, c'était Bourassi et tout, où nous nous sommes déportés. Et que donc nous sommes venus rendre compte ici, lui dire qu'il y a des retournées et que aussi l'autre phase, c'est qu'il faudrait que ces populations qui sont dans les sites, n'est-ce pas, rentrent chez elles à la maison. Et donc je suis venu parler avec le chef d'État, avec le Premier ministre pour qu'on prenne ces populations en charge. Et il est tout à fait d'accord. Voilà.